Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. Alors, on va faire un petit déballage Colly Keepers encore cette fois-ci. J'ai plein de projets en tête pour des petits tutoriels, etc. Mais en fait, je manque un peu de temps. Donc, j'espère que 2023, les journées vont s'allonger. Ça fait partie de mes demandes au Père Noël. Bon, alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, Patty08 sur la scraposphère, et je suis animatrice Keepers Créatif en Champagne-Ardenne. Donc, effectivement, si vous voulez des ateliers en vrai, il faut habiter par chez moi. Mais sinon, dans tous les cas, je suis toujours disposée à répondre à vos attentes, à vos demandes de conseils, ou pour toutes vos commandes. Donc, un déballage de Colly Keepers. Alors, le colis était tout petit. Je me suis dit, mince, comment se fait-il? Mais en fait, j'ai plein de choses toutes petites. Donc, on va commencer. Il y a des soldes jusqu'au 4 décembre. Il faut que la commande, si vous en souhaitez des produits, il faut qu'elle me parvienne avant le 4 décembre, minuit, parce que il faut que je m'aime... Même 19h, parce qu'à minuit, généralement, je dors. Il faut qu'elle m'arrive avant 19h pour que je puisse valider le panier, le mettre en réservation, etc. Il y a des soldes à moins 75% sur certains tampons. Donc, il ne reste pas grand-chose. Hein, mais là, je vais quand même vous montrer. Donc, il y a ce genre de tampon. Ça vous donne une idée un petit peu de l'échelle. Donc, un peu vintage, qui était initialement à 8,50 et qui passe là à 2,15 €. Donc, ça vous donne, voilà, ça vous permet de voir quand même quelle est la gomme utilisée, voilà, l'échelle du tampon, etc. De très jolis tampons qui, effectivement, à 8,50 €, je trouvais ça un peu cher. J'ai pas trop communiqué sur ce produit-là. Par contre, là, à 2,15 €, là, ça vaut vraiment le coup. S'il y a des tampons qui vous donnent envie, c'est l'occasion. Il y a des choses avec pour Bienvenue Bébé, etc. Par contre, c'est en anglais, pour info. Donc, de toute façon, dans les descriptifs, il y aura le lien sur les promotions. Un lien qui, en fait, sera toujours le même. Mais à chaque date, en fait, ça change quand vous arrivez à la date limite. Keepers met en promo d'autres produits, mais n'hésitez pas, même si on est après le 4 décembre, cliquez sur le lien, vous découvrirez d'autres promotions. Donc il y a ceci qui passe à 2,15 € au lieu de 8,50 €. Nous avons cela qui il y a eu un gros coup de cœur sur mes clientes habituelles quand ils ont vu la promo. Donc cela, il passe à 2,10 € au lieu de 7,95 €. Alors, sachez déjà que celle-là, il n'y a plus dispo. Celle-ci non plus. En fait, bon, il y a d'autres produits. Donc, je vous montre. Pareil, ça vous permet de voir un petit peu l'échelle, la gomme. Donc, on est proche de la gomme du tampon bois. Hein. C'est très joli. Très belle finition. Donc, on a... Alors, je recommence. Hein. Je vous les remonte quand même. Ceux que j'ai en ma disposition, il y en a très peu qui sont disponibles. En fait, ce sont des demandes clientes. Alors, gros coup de cœur pour ce petit appareil photo que j'aime beaucoup. Je l'ai deux fois, mais je pense qu'il y en a un pour moi. Donc, et alors, il y a eu effectivement un gros coup de cœur sur le chat entouré de la guirlande, qui est très joli également. Donc, mais par contre, pour les produits un petit peu phares comme ça, avec des coups de cœur, ben, ils sont plus dispo, mais il y en a peut-être que vous trouverez. Et au prix où c'est, ça vaut le coup de se faire plaisir. Alors, il y avait ceux-là. Et il y a également les Wood, ils appellent ça. Ce sont des tampons. Alors, les voilà. Hein, ce sont des tampons ronds. Ils avaient même pour l'occasion... alors, j'en avais pris deux. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ils avaient fait les encreurs pour aller avec. Donc, voici des tampons bois ronds. Et ceux-ci, ils passent à 1,50 € au lieu de 5,95 €. Pour le coup, dans ceux-là, vous en avez un petit peu en français. Il y a tout ce qui est fait main avec amour, etc. Il y a d'autres petits produits. Donc, voilà, ce sont des petits tampons ronds. Je crois qu'ils font 3 cm de diamètre.
et donc qui passe à 1,50€. Donc tout ce que je vous ai présenté là, c'est en solde jusqu'au 4 décembre minuit, 4 décembre 2022, parce que peut-être que dans les années futures, on regardera ma vidéo et voilà, les promotions seront plus d'actualité, bien sûr. Mais donc jusqu'au 4 décembre, ces tampons-là sont en promotion. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est dans le descriptif pour aller voir les produits qui restent disponibles. Et s'il y a des produits que vous souhaitez, il va falloir me prévenir avant le 4 décembre, 19h, 20h, grand maxi. Pour que je puisse mettre dans le panier et faire une réservation. Voilà pour ce qui est des tampons. Ensuite, je vais continuer quand même dans les tampons acryliques. Ça, ce sont des commandes pour vous montrer donc les tampons Nelly Choice, des petits tampons acryliques, petit prix. Donc, celui-ci, 3,35€, avec ses petits bonhommes de neige très sympathiques. Donc, n'hésitez pas toujours à regarder au dos. Je le répète, hein, mais au dos des tampons, souvent, sont également, vous avez les références des produits qui sont sortis simultanément. Ils sont à des prix à peu près similaires. Hein. Il y a des petites variations, mais c'est à peu près les prix similaires. Donc, celui-ci, 3,35€. Celui-ci, 3,15€, avec au dos également, vous voyez, des petits personnages pour l'hiver assez mignons, vous voyez, le petit ours avec le bonhomme de neige, etc. Donc, tampon acrylique à utiliser avec votre positionneur de tampon ou un bloc acrylique simple. Les tampons sont assez simples, donc facilement réalisables. Bon, après, si on souhaite vraiment ne pas rater ces tampons, positionneur de tampons indispensable. 2,70€ celui-ci, et toujours pareil, vous voyez, toute une gamme des références qui sont au dos et que vous pouvez utiliser. 2,70€ également celui-ci. Gros coup de cœur pour celui-là qui est très très joli, vous voyez, avec un livre et une chouette. 3,35€, un très beau tampon qui mesure, alors vous avez aussi l'indication de la taille, 10 cm par 11,3 cm. Très très joli tampon, 3,35€. Et vous voyez, dans cette série était sorti également celui-ci. Hein? Tout ça c'est chez Nelly Choice, c'est une marque avec des tampons acryliques très très petit prix. 3,35€ également pour celui-ci, ce petit bonhomme de neige, un petit peu vintage ancien, très très joli. Et voici les produits sortis simultanément aussi. Hein. Et encore un bonhomme de neige, cette saison, hein, très joli bonhomme de neige. Alors celui-là, 3,35€ également. Et tous ceux qui étaient sortis simultanément. Alors ça, ce sont des collections différentes. C'est pas dit. Si vous n'avez pas la dernière collection, si c'est des collections sorties l'hiver dernier, c'est pas dit que les autres tampons soient encore disponibles. Ça, c'est la dernière collection de Noël sortie de chez Grunge de Studio Light. Donc, vous avez celui-ci, le petit format. Ça vous donne un peu une idée hein, de la taille des Grunge. Petit format à 6,95€, donc celui-ci de Noël. Toujours au dos, une petite indication, mais chez Grunge Studio Light, vous avez une aide à la colorisation. Et puis surtout, ça vous donne, ça vous montre un petit peu l'aspect du tampon. Qui est moins, on se rend moins compte forcément sur celui-ci, comme ça, de face. Au dos, ça vous permet vraiment de voir ce que vous pouvez obtenir. Soit la colorisation, feutre à alcool, aquarelle, encre, etc. Hein, très joli tampon. Ce sont à la fois des tampons de fond que vous pouvez utiliser sur bloc acrylique si vous ou positionneur de tampon toujours, si vous souhaitez en avoir l'intégralité. Dans le cadre du mix média, il s'utilise de façon manuelle, comme ça, vous posez sur votre feuille et comme ça, vous utilisez partiellement le tamponnage. Donc 6,95€. Nous avons ensuite cette taille-là, qui est la taille moyenne. Hein. Celui-ci est à 8,95€. Vous en avez également à 9,95€. C'est moins de 10€ la taille moyenne, généralement. La taille petite, c'est moins de 8. Là, c'est moins de 10€. Hein. Donc, pareil, tampon Grunge Studio Light de Noël, la nouvelle collection. Et voici le modèle
tamponnée, colorisée, pour vous aider éventuellement à la colorisation ou pour vous permettre de voir ce que ça va donner. Donc 8,95 celui-ci. Pareil, il s'utilise intégralement avec un positionneur ou partiellement si vous faites du mix média en l'utilisant sans aide de tamponnage. Enfin, un masque toujours de la même collection, 5,95. Alors ça, c'est un masque, ce n'est pas un pochoir. Le masque, c'est le négatif du pochoir. Le pochoir, on remplit des trous et là, on remplit les espaces. Donc, on obtient ceci. Donc ça, c'est un masque et non un pochoir. Petite astuce pour découvrir un peu la différence. Donc ça vous permet de coloriser l'extérieur et donc apparaît sur votre feuille blanche le masque. Hein. Si vous mettez ça sur une feuille blanche, que vous tamponnez, à l'aide de brosse et des encres, vous passez sur le masque. Ou alors avec des pchits d'encre ou des pchits d'acrylique, vous obtiendrez ceci quand vous l'enlèverez. En fait, c'est un masque. À l'inverse, un pochoir, les parties blanches seraient remplies de couleurs. Voilà, c'est un peu l'astuce pour distinguer le pochoir du masque. Donc, il y a également donc des masques à 5,95 pour Noël. Ensuite, j'ai repris des VersaFine clair noir. Alors, j'ai des beaux tampons bois et que je n'osais pas utiliser, qui étaient toujours un petit peu. Ben, j'étais pas satisfaite du résultat. Parce que dans les tampons, pareil que dans les masques et pochoirs, vous pouvez avoir des parties négatives. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là, vous avez un tamponnage positif. Et ici, vous avez le tamponnage. Vous voyez, c'est négatif. C'est-à-dire que vous obtiendrez. Il va falloir intégralement toute la partie blanche, là, soit teinte. À l'inverse, lorsque vous allez poser sur le tampon, ça, ce sera la partie blanche. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Donc, ça, vous avez le positif du tampon et là, le négatif. Et généralement, quand j'avais un négatif à imprimer, avec ma VersaFine classique, j'obtenais pas un résultat satisfaisant et j'avais un petit peu abandonné mes tampons. D'autant plus les tampons bois qu'on ne peut pas repositionner. C'est toujours un petit peu compliqué. Il faut obtenir le résultat parfait du premier coup. Et bah, l'autre fois, j'ai ressorti ma VersaFine clair et franchement, belle qualité. J'ai obtenu un beau résultat. Petite astuce, n'hésitez pas à mettre un tapis de souris, vous voyez en dessous quelque chose, une mousse quelconque, pour pouvoir assouplir un peu votre mouvement. Bien appliquer, ne pas bouger, bien patienter quelques secondes pour vous assurer que l'encre s'imprime bien sur le papier. Utilisez plutôt du papier lisse, pas du papier texturé. Et puis, je pense que là, vous aurez un résultat plus satisfaisant avec vos tampons. Donc, n'hésitez pas, la VersaFine Claire. Alors, elle était à 5,40. Bon, ça a un peu augmenté. Je suis vraiment, voilà, comme tout. Elle passe à 6,20 €. Il y a plein de gammes de couleurs. Mais pour le noir, n'hésitez pas à avoir ça dans votre base, dans votre tote bag de base, de matériel de base. C'est à base d'huile. Donc, bien nettoyez vos tampons une fois l'utilisation. On est dans le tamponnage. Nous avons ce genre. Donc souvent je vous présente des brosses, mais sur certains tutos on voit des personnes utiliser ces doigts de mousse. Donc c'est pareil, ça s'utilise comme une brosse. Vous intégrez votre index dans le doigt de mousse et en fait ça permet de faire de l'ancrage. Hein. Donc j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer qu'on avait ça en stock. C'est 2,90 €. Pour vous montrer aussi qu'on a ça chez Keepers Créatif, alors c'est un produit que je n'utilise pas du tout, mais sachez que nous les avons. Ce sont les planches Starform or, argent, transparent, deux couleurs, etc. Vous en avez à tous les prix, mais ça commence à 60 centimes, il me semble. Vous voyez, ça vous permet d'avoir des éléments autocollants.
dorée, argentée, pour agrémenter vos créations. Voilà, 60 centimes. Donc, sachez, on a une très très longue gamme dans ces produits-là. Je vous mettrai pareil le lien dans tous les liens des produits que vous verrez dans l'ordre d'apparition à l'écran, comme dans un film, le générique d'un film. Dans les descriptifs, vous pouvez cliquer sur le lien du produit qui vous amène sur le site internet client. N'hésitez pas à aller voir. Généralement, je fais un lien un petit peu générique, ce qui fait que vous voyez le produit que je vous présente et tous les produits associés. N'hésitez pas à aller voir. Petite info, passez plutôt par l'animatrice si vous souhaitez commander. C'est préférable. Les frais de port sur le site sont assez onéreux. Si vous passez par moi, que je vous le remets en main propre, je ne vous facture pas de frais de port. Hormis si vous êtes à distance de la Champagne-Ardenne, éventuellement, je vous fais un mondial relais et vous, ça vous coûte vraiment le prix du mondial relais. Je pèse, etc. Je fais tout le travail et je l'emmène dans mon relais mondial relais, très proche de chez moi, donc c'est assez rapide. Hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas très longtemps, nous avons fait on s'est regroupé dans notre association pour faire un petit projet qui était inspiré d'une vidéo de Lidl. Et dedans, on utilisait de l'acétate imprimé et des calques. Donc, chez Keepers, on a quelques produits qui sortent chez Studio Light en fonction de la créatrice. Parfois, il y a des calques et des acétates qui sortent. La différence, donc un calque, vous savez, on connaît le calque des écoliers. Donc là, nous avons des calques également. Ce sont des calques 20 par 20. C'est 5,95 les 6 feuilles de calque imprimées. 3 designs différents que vous avez en double. Hein, donc 6 au total. Donc, il y avait dans la collection Write Your Story, il y en avait, hein, j'en ai pris. Il y avait dans la nouvelle collection de Jenin qui s'appelle Inner Peace, pareil, on en a également. Alors, forcément, elle s'est sortie à la collection de papier de Scrap, donc c'est dans l'esprit, dans le style. Donc, toujours pareil, 5,95 le calque. Et on a également l'acétate, donc c'est un transparent, un peu plus rigide que le calque et imprimé. Donc là, pareil, la collection Inner Peace, vous avez 3 designs en double exemplaire. Donc ça vous en fait 6 pour 5,95, vous voyez. Donc vous avez les papillons, vous avez également des fleurs, et puis des fleurs ici, les papillons, et là vous avez des éléments. C'est un nom et j'ai perdu le nom. Si ça me revient, il sera en impression sur la vidéo. C'est un nom particulier, c'est ces petits zigouigouis qui sont là. Donc les 6 acétates 20 par 20 sont à 5,95. Est-ce que j'ai pas le grammage? Par contre, c'est un grammage. Voilà, l'acétate, c'est vraiment plus rigide que le calque. Hein. Donc ça, j'en ai quelques-uns. Nous avons également, alors c'est compliqué de trouver du papier pas trop trop cher, des unis. Nous avons des paquets de feuilles par 25, donc je n'hésite pas à éclater. Donc ne vous inquiétez pas si cette colorie, s'il y a une couleur qui vous plaît, je veux bien l'acheter et j'éclate le paquet. Le paquet de 25 feuilles est à 22,70 €. Il y a une petite texture légère. Il y a un côté qui est un peu plus lisse et un côté un peu plus structuré. C'est à 220 grammes, c'est des basiques. Je vous mettrai le lien pareil dans le descriptif pour découvrir toutes les couleurs qu'on a dans cette gamme. Bon, je pense qu'il y a eu un petit couac de vidéo. J'ai eu mon livreur qui est passé. Heureusement, il n'a pas sonné, mais bon, je ne sais pas si j'arriverai à faire un montage pour que ça n'apparaisse pas à l'écran, mais je ne suis pas sûre. C'est pas mon domaine, donc on verra bien. Donc, on reprend. Alors, pour l'essentiel, je vous ai montré ce que j'avais reçu. Sachez que les ronds de Checker sont de retour. Donc, j'en ai quelques-uns d'avance, 3,95 €. Et sinon, pour les fêtes, est sorti des petits formats différents. Donc, on a les cœurs, 3,95 € également. Et les étoiles,
3,95 également. Donc normalement dans les, alors je l'ai pas ouvert hein, celui-ci, mais il n'y a pas de raison. Vous avez à l'intérieur 10 pièces. Oui, je vous confirme, 10 pièces. Et donc vous savez, à chaque fois il sortait la forme par saison. Et donc là, avec les étoiles, est sorti celui-ci qui est à le 10,695. En sachant que ça s'utilise à la fois avec autre chose qu'un shaker, hein. Et le cœur, donc deux cœurs également, 6,95. Donc adapté au shaker. Et puis pour mettre à l'intérieur, ils ont sorti cette petite gamme. Donc vous avez six petites fioles avec des sequins adaptés au thème. Alors je vous montre. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre parce qu'il y a. Donc 5, 4, 3. Alors, est-ce que c'est celui-ci là, c'est là. Alors, nous avons la numéro 1 qui est celle-ci. Vous voyez, ça vous permet de voir les couleurs. Et voici ce qu'il y a dedans. Donc, ce sont des petits shakers. Je vais en ouvrir un, je vais vous montrer. Donc, celui-ci, c'est. Ils l'ont appelé comment celui-là ? Christmas Candy, donc les bonbons de Noël. Voici pour la numéro 1. Ensuite, la numéro 2, c'est également pour Noël, c'est la Christmas Tree. Donc, c'est plutôt les arbres, etc. Pour Noël également. Mais vous voyez, il y a des sucres d'orge. C'est celle-ci que je vais vous ouvrir, hein. Je vais vous montrer après. Ensuite, ça c'est la 2. La 3, c'est la birthday present. Donc pour les anniversaires, vous avez des cupcakes, des voilà, c'est des petits shakers à mettre dans vos shakers. Ensuite, la numéro 4, qui est la Spring Garden. Vous voyez, j'ai un anglais parfait. Spring Garden, ça veut dire jardin de printemps, si je ne m'abuse. Si je ne fais pas d'erreur, donc vous voyez, voilà. Ensuite, on a la 5 qui est plutôt Love Language, donc le langage du cœur. Donc vous avez, je sais pas si, j'espère que ça fait bien la mise au point. Vous voyez, vous avez des cœurs, des petits points noirs, etc. Vous avez des petits timbres, des petits cœurs blancs et rouges. Et vous avez la 6 qui s'appelle Sprinkles. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un ensemble, un mélange de couleurs, en fait, à mon avis, plutôt. Donc ça, c'est la numéro 6. Donc je vais vous en ouvrir une pour vous montrer un petit peu les tubes, en quoi ça consiste. Vous voyez, ce sont des petits tubes comme ça, plastiques, qu'on pourra peut-être, une fois vide, utiliser autre chose, hein. Vive le recyclage. Donc, je vais prendre, par exemple, le petit rouge. Je vais ouvrir celle-ci, qui correspond au petit sucre d'orge. Alors, j'espère que je vais ouvrir, voilà. Hop. Et, alors, je ne sais pas si vous allez les voir. C'est un petit peu plastifié, alors ça vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais évidemment, c'est pas facile à voir non plus. Alors, attendez, voilà. Oh, je tremble en plus. Alors, comment je pourrais faire pour vous montrer un petit peu. Ah, c'est tombé. Vous voyez, c'est. Voyez-vous le. Non, on voit rien du tout. C'est terrible. C'est pas du tout fait. C'est pas du tout fait pour l'occasion, voyez. Ça, vous avez vu un petit peu l'épaisseur, hein, ça fait un petit millimètre, je pense, voyez. Et c'est minuscule, mais c'est pour mettre dans vos shakers, voyez. Donc, est-ce qu'on a des infos sur la quantité? Pas véritablement, mais ça vous fait de quoi faire dans vos shakers, et puis ça change un peu. Ah ben, j'avais pas vu, mais voyez, là, vous avez indiqué les éléments que vous avez dedans. Donc, vous avez des sympas verts, des sucres d'orge, des flocons blancs, des étoiles jaunes, et puis deux bâtons rouges. Alors, je vais vous remontrer très rapidement tous les... Je sais pas si vous aviez vu, mais voilà. Hein, on voit ce qu'il y a dedans.
sont indiquées. Ici, on les voit aussi. Je n'avais pas du tout préparé ma vidéo, hein. Je me suis empressée de la faire. Donc, vous avez deux bâtons, là, le rond noir, le cœur blanc, le cœur rouge et une espèce d'enveloppe cœur. Ici, pour vous avez des ronds, des papillons verts, un cœur rose, une fleur blanche et c'est une abeille. Ici, vous avez un paquet cadeau, un cupcake, peut-être un rond orange qui fait penser un peu aux donuts et des petites barres de couleur. Et pour celui-ci, vous avez le bonhomme pain d'épices, la roue. Là, vous avez encore un cœur rose, une étoile blanche et des petits bâtons. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez six petits tubes, petites fioles. Vous voyez un peu la taille, ça grandit. Il y a de quoi faire, hein. Je pense que c'est assez sympa pour faire des shakers à thème. Donc, n'hésitez pas. Qui s'adapte évidemment aux petits shakers qui sont ici, avec les 10 qui sont là. Donc, les petites fioles comme ça, vous en avez 6 pour 4,95. Et ben, je crois que j'ai tout fait. C'était un peu chaotique, je m'en excuse. J'espère qu'au niveau du montage, ça ne va pas se voir de trop. Et puis, donc, je le répète, dans le descriptif, vous avez le lien vers tous les produits sur le site. Les soldes que je vous ai présentés, c'est jusqu'au 4 décembre. M'informer si vous souhaitez passer commande avant 19h le 4 décembre pour que je puisse valider la commande. Si la vidéo vous a plu, les petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés, merci à vous. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie lorsque vous visionnez mes petites vidéos sans prétention. N'hésitez pas à faire voyager la vidéo si elle me permet d'avoir de nouvelles abonnés. C'est toujours très sympathique et très valorisant. Donc, ça me fait toujours plaisir. Et puis, pour celles que je ne verrai pas avant l'année prochaine, ça va venir vite. Je vous souhaite à tous un joli mois de décembre, un peu de féerie. On a besoin aussi d'être dans l'esprit de Noël. La prochaine vidéo, vous la verrez peut-être dans un salon décoré de Noël, je l'espère. J'ai prévu de faire ça très rapidement. Donc, je vous souhaite à tous un joli mois de décembre, de jolis préparatifs, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, sinon, je reviendrai peut-être hein, d'ici là. Alors, à tous, bonne journée, belle semaine et à bientôt. Bye bye!